des bougies pour marquer l'immense émotion des habitants de Wurtzbourg, en Allemagne. Hier, un Somalien de 24 ans a tué au couteau 3 personnes et en a blessé 5 autres grièvement. Cette attaque d'une incroyable brutalité pourrait être un coup de folie lié à l'état psychiatrique de l'agresseur, mais la motivation islamiste n'est pas exclue, même si l'homme n'a pas d'antécédents connus. Selon les informations actuelles, explique le ministre bavarois de l'Intérieur, c'est un homme de nationalité somalienne qui vit ici à Wurtzbourg depuis 2015. Il a vécu dans un foyer pour sans-abri et selon les dernières informations, il a récemment été interné dans un hôpital psychiatrique en raison de problèmes psychologiques. Cette ville de 130 000 habitants a déjà été le théâtre en 2016 d'une attaque à la hache par un Afghan dans un train. Elle avait fait 5 blessés. Depuis 2009, les autorités allemandes ont déjoué 17 tentatives d'attentats de ce type.